Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Nous, on se retrouve, enfin que vous allez bien en fait, parce que c'est pas une sorte de pub, mais non, c'est juste le deuxième épisode. On se retrouve pour le deuxième épisode de Matériel Énergie 4, le modpack que je fais en solo, parce que de toute façon, il n'y a pas de serveur multi. Hein, on rejoint le monde. Alors, on va vérifier que le son est bon. Essayez de voir tout ça, et souvenez-vous, il faut maintenant regarder comment améliorer cette pioche. Oui. Ça va, tout marche bien. Alors, je vais être franc avec vous. Je n'ai pas du tout fait de recherche pour savoir comment ça marchait. Donc, on était toujours avec notre toolstation. La toolstation, je pense qu'elle a été faite. Elle est là. Donc, on va regarder pour voir maintenant pour faire une part builder. Hop, il suffit que je fasse ça. Et ça, et j'ai une part builder. Alors, à quoi ça sert encore? Je ne sais plus. C'est pas exactement... Place pattern and material on the left to get started. C'est pas exactement ce que je recherche non plus. La tools forge va coûter beaucoup trop cher. Donc ça doit pas être ça. Le truc, c'est que hein, il faudrait que j'arrive à comprendre comment faire le bouquin. Comment on peut faire le bouquin? Il est où le bouquin? D'accord. Est-ce que j'ai du paper? Et avec ça, on peut pas avoir juste un papier? S'il te plaît, donne-moi juste un papier. Fais pas ta pute. Je regarde. Ok, c'est bon. Hop. Juste un papier. Allez! Bon, attendez, on va regarder. On va faire l'outil de recherche. Pour... Stock. Bon, donc la mauvaise nouvelle, c'est que on en a pas. Attendez, parce que là aussi, là c'est un peu le dawa. Hein. Stock, ce serait bien que ça reste rangé comme ça, tiens. Hop. Ça m'embête un peu ce principe-là. Parce que j'espérais pouvoir avoir ça. D'accord. Ce qui est bien aussi, c'est que le truc Tinker Construct n'est pas du tout buggé. Voilà. Ça m'aurait plu d'avoir ce bouquin là. Mais bon, on va avancer. De toute façon, on va pas faire le choix. Je pense que là, il y a peut-être du truc. Donc, on a une nouvelle truc. On va simplement faire ce mouvement-ci pour la retirer. Ce mouvement-ci pour mettre l'autre. Alors, je stocke mes trucs là-dedans, comme ça. Pas de folie. Et nous voilà avec une nouvelle zone. Tout simplement. Passons ici pour voir si il n'y aurait pas ce qu'il nous faut. Alors, il y a de la bouffe, déjà, ça c'est très bien. On va tout de suite la récupérer. Que je replante directement, hein, c'est beaucoup mieux. Hop, c'est parfait. Et ça, c'est good parce que la boucle. Il faut que je regarde parce qu'il y a peut-être des quêtes qui sont liées à ça aussi. Ça, ce serait bien que je regarde. Il faudrait également que j'arrive à voir si je peux pas par hasard piquer ça. Si je vais piquer, on va un peu démolir le truc, mais. Je me dis que ce serait quand même bien d'avoir un peu de bouffe avec soi. Voir si je peux pas faire des arbres ou des trucs comme ça, histoire d'avoir un peu de contenu. Hop. Pour le moment, on va pouvoir laisser tout ça. Oh, regardez, il y a un coffre là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chaînes. Ça, c'est good parce que je vais pouvoir me faire une armure, je pense, avec ça. Et regardons. Ça, c'est quoi? 5 blocs de clé, pourquoi pas? De mémoire, avec ça, on peut faire une armure. Alors, tu vas me dire, celui-là, je l'ai, mais... Oui, regardez. Alors, il va falloir réfléchir, parce que combien j'en ai? J'en ai 21. 21, ça ne suffira pas à faire tout.
On va compter pour voir combien de trucs on peut se faire. On peut en faire un paquet, je pense. Alors, on va bouffer une carotte déjà pour commencer. On va en bouffer deux. Ça sera plus simple pour planter. Hop. Il va replanter quand même du blé. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Oh. Là en dessous, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Et il y a l'air d'avoir du mob aussi en dessous. Est-ce qu'on peut juste regarder si je fais genre un truc comme ça? Attendez. J'aime bien le vert, mais ça me stresse toujours. D'accord, donc là ça a l'air d'être l'enfer. Par contre là, il y a des trucs très intéressants. Alors regardons un peu ça. Oh là là, oh my god. Quand je vais me faire tout ça, je vais galérer. Hein. Je vais quand même me sécu le bordel un tout petit peu, voilà, comme ça, histoire de pas tomber bêtement. Alors on va remonter dans notre zone privée. Pour regarder un peu au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a qui est fait. Alors, donc, on est toujours sur notre quête numéro 1. Hop, regardons la quête carotte à mon avis. Regarde, je les ai. Je les ai. Attendez. Ah, c'est 125, God, 125. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas du tout gagné. Alors on va peut-être essayer de voir ici si je peux faire mettre un peu de terre. Alors on va peut-être pas le mettre là parce que là c'est notre source de lumière actuelle. Ah, regardez, j'ai comme ça. Obsidian Tools. C'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. Un flux capacitor. J'ai jamais compris trop à quoi ça servait, mais je pense que c'est. Activate to charge item. Ok, intéressant. Intéressant. De toute façon, j'en ai déjà là. Hop. En fait, le truc, c'est que je pourrais commencer à utiliser ça ici. Mais ça ici. C'est éteint. Ou alors il y a de l'énergie pour ça. Il y a l'air d'avoir de l'énergie. Attendez, on va regarder. On va regarder, on va regarder. On va regarder. Hop. Donc, première chose, c'est prendre ça. Ceci. Ça. Alors. Hop. Ok. Ok. Un crafting terminal sera plus simple. Hop. Oui, pourquoi pas. Mais d'où vient l'énergie? Je comprends pas. Il y a de l'énergie, mais je sais pas du tout d'où elle vient. Vous allez me dire, on s'en fout, Todo. Effectivement, on s'en bat un peu les steaks, mais quand même, ça peut être intéressant de savoir d'où vient cette énergie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'intéresse. Après, de toute façon, on n'a pas fort le choix, donc. On va faire avec, hein. Vous voyez que là, on a de quoi faire une. Une tête de pioche, on a la barre. J'aimerais bien regarder, tiens, pour faire la pioche. Mais là, je peux améliorer ma pioche. Regardons dedans. On va continuer à tout simplement tout mettre dedans. Hop. Ça sera plus simple. Alors, en espérant qu'on ait assez d'énergie. J'aurais l'air très con si on n'a plus assez d'énergie à un moment ou l'autre. En passant. Mais tant pis, on va faire avec. Alors ça, je vais laisser ici. Ça, je prends par contre. Hop. Alors je pourrais me mettre des cœurs en plus.
Je vais mettre des cœurs en plus, en fait. Oups. Tiens, les lits ici, je peux peut-être les poser sur de la dirt. Est-ce que je peux me poser une ou deux lits ici là-bas? Voilà, on va en poser 8. Ça marche comment ça? Oh, d'accord. Je t'avoue que ça me tente qu'à moitié, ceux-là. Ils tentent pas fort. Hein. Pas que j'ai pas confiance en eux, mais. Je sais pas. Ils sont pas costauds, les gars. Hop, hop. Apparemment, là, on n'aurait pas de soucis d'énergie par rapport à ça. Hein, on va dire ça comme ça. On va espérer. Hein, parce que. Sinon, c'est un peu la merde. Au pire des cas, je brancherai rapide aussi un truc. Mais là, ça a l'air d'aller. Alors, on va quand même regarder pour se faire ceci. Ceci. Et alors, il m'en reste 6. Ceci, voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça sera un peu plus, un peu moins douloureux si on se prend des chocs. Là, il n'y a pas d'énergie, on est d'accord, hein. Ça ne fonctionne pas. Il y a une salle en dessous. Il y a une salle en dessous. Est-ce que je peux genre faire semblant de descendre là? Ok, on va essayer. On va essayer. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une salle en dessous. On a peut-être des trucs cachés, hein, on va aller voir. Tac. C'est bien, Tado, tu fais vraiment des beaux escaliers comme ça. C'est du grand art, Tado. Ben regardez. Il y a ça. Alors je sais plus si je peux le choper à la pioche ou pas. Je pense que oui. Et là, on va pouvoir activer donc le trophée. Waouh! God! Ça c'est plein de dynamo, ça c'est sympa ça. Ça c'est sympa comme tout. Et on a l'air d'avoir fait le tour. Ce qui est bien aussi, c'est que ça veut dire qu'il y a une pièce en dessous sur laquelle, si j'ai un élévateur ou un truc comme ça, je pourrais travailler. Hop, on va remonter. Par souci de précaution, je vais quand même fermer comme ça, histoire de ne pas me casser la gueule. On va remettre tout ça dedans. Le trophée, on ira le remettre à place plus tard. Et maintenant, on va regarder un peu. Si vous vous souvenez bien, on avait chopé des Ball of Moss. Je sais pas quoi du tout à quoi ça sert ce machin. Hop. Alors ça peut servir. On va toujours regarder. Regarde. Si je fais genre ceci et ceci. Qu'est-ce qu'il me faut là? Est-ce qu'on pourrait pas avoir ce purée de putain de bouquin là? Ça serait quand même beaucoup plus simple, non? Comme tout le monde. Il me faut quoi, de la redstone? On va essayer, mais je sais plus. J'ai l'air con comme ça là maintenant. À pas savoir ce que je peux mettre dessus. Can be replaced. Note quand en fait, je viens de me rendre compte que là, avec ceci et ceci, je pouvais me faire une pioche. Regardez. Ah non, c'est pas le bon. Ce n'est pas le bon, c'est le grand. Et si je mets ça ici, ça fait quoi? Ça marche pas non plus.
change tout, je place tout. Je comprends pas. Je cale. Est-ce que j'ai pas du flint? Non, je cale complet là-dessus. C'est une grosse problématique parce que ce serait bien que j'avance. Ce serait vraiment bien que j'avance. Alors, ce qu'on va faire, attendez que je regarde un peu l'heure. 58. J'ai commencé à 42. Déjà? Déjà? Mais on n'a rien fait sur cet épisode ou presque. Dis donc. What the fuck? On va regarder les autres quêtes. On va vite regarder les autres quêtes. Parce que sinon j'aurais l'impression d'avoir vraiment rien fait. Et après ça, on. Après, je regarde. J'essaierai de me renseigner quand même pour l'épisode suivant. Parce que là, ça me perturbe sur comment ça marche. Hop. Hop. Non, pas celle-là. Prends-moi la bonne quête. Voilà. Alors. Not too hard. Ça, c'est cool ça. Avec une iron pickaxe. Il faut vraiment que j'arrive à la trouver. La coral wood. Alors là, c'est un secret, mais je n'ai jamais trouvé non plus. Alors là, skate stone. C'est vrai qu'elle ferait du bien aussi. Attends, il me faut la stainless steel stable. Ça, je peux peut-être la faire. Et regardez, avec ça, je pourrais peut-être faire quelque chose aussi. Comment on fait? Le sandstone steel. Non, d'accord. On reprend et on regarde comment ça s'écrit vraiment. Stencil. Ok. En fait, c'est plus simple à faire qu'on ne le pense. Regardez. Hop. Stencil stable. Ok, parfait. Ça, c'est bon. Voilà. Alors là, j'ai eu les trois. Attendez, c'est là. Et alors il faut que je réfléchisse. Regardez, là maintenant, par contre, je peux me faire une vraie pioche. Je peux me faire une vraie pioche avec ça. Là, ça et ça. Ça me fait une vraie pioche. Et on va tout de suite aller tester pour voir si... Je peux choper. Alors hop. Tac. Je finirai par m'y faire, par savoir exactement où sont chaque truc. Mais c'est pas gagné encore. Hein. Faut toujours que je cherche aussi comment on. Mais j'ai pas encore sorti le premier épisode. Donc, il faut savoir que je tourne deux épisodes juste avant de sortir le premier. Le premier épisode va sortir dans les minutes qui suivent là. J'ai un pote qui bouffe ça. Ouais, c'était pas une bonne idée en fait. Trans, si tu m'entends, sache que ce n'était pas une bonne idée. Est-ce que ça peut casser de la sandstone? Alors pas l'air. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent encore l'arnaque tout ça, purée. Bon, tant pis. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et je vous jure, pour le troisième épisode, on arrivera à avoir une pioche qui peut casser de la sandstone. C'est pas possible autrement, quand même. Hein. À un moment, on va arrêter de se foutre de ma gueule. Le problème, c'est que ça, il faut énormément de fer. Ah, ça, c'est cool, par contre, c'est que ça me fait un truc sympa. Hein. Ouais, d'accord, c'est exactement la même. C'est pas grave. C'est la même. Ici, c'est quoi ça? Iron Splickler. D'accord, je sais pas du tout c'est quoi. Donc ça, on a fait. Regardons un peu. Ah ouais. Ça, je vois où c'est. Je vois où c'est.
Allez, explose. Bon, je pense que de toute façon, là, on n'arrivera pas à tout tuer. C'est un truc de fou, ce... Ah ben voilà. Voyez quand vous voulez. Il faut attendre un peu plus. Encore un peu. Non. Allez, on attend un peu plus. C'est une méthode comme une autre. Et je vous avoue que moi, elle me déplaît pas trop. Allez, boum. On va vous aider. Tirez-vous dessus, les amis. Je change les croquis, hein. Balèze. C'est quand même balèze. Alors hop, on va clôturer ça ici pour le moment. On aura déjà un peu avancé là-dedans. J'avais jamais été aussi loin, je vous le dis tout de suite. Regardez un peu ça, hein, ici. Ça, c'est la descente. Ok. Ok, ok. Bon, allez hop, sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode. J'espère, le troisième épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est pas facile. C'est un modpack qui est pas simple. Sincèrement. Et donc. On va essayer de faire ce qu'on peut pour avoir quelque chose de propre, mais y a des trucs qui sont vraiment pas simples, je trouve. Bon, peut-être que si je m'y connaissais un tout petit peu mieux en... comment ça s'appelle, ce connard ? En Tinker Construct, ça serait plus facile également, mais on peut pas tout avoir non plus, vous le conviendrez. C'est pas possible, je pensais que j'avais déjà déposé un truc moi ici. Voilà. Je vous jure que je pensais que je l'avais déjà déposé. J'ai pas déposé ? Non, il n'y a que lui que j'ai déposé. Ok, allez. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A ciao, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ciao ciao.